Oui, merci Gilbert. Bonjour à toutes et à tous. Dans la liste, dans la carte de visite, il a oublié que je suis actuellement membre du bureau de l'Institut d'Histoire. Je ne suis pas que ex, je suis aussi actuelle. Et alors, déjà, la question 1980-1990 pour clôturer la série de conférences et sortir de crise, c'est déjà un problème, puisque sortir de crise, on peut estimer qu'on n'en est pas sorti. Et d'ailleurs, je reprendrai volontiers à mon compte la formule de Michel Dreyfus qui disait « La crise n'en finit pas de ne pas finir, ce qui la distingue de toutes les crises précédentes qui n'ont pas dépassé une quinzaine d'années. » Et il disait ça en 1995, donc on imagine ce qu'il pourrait dire aujourd'hui. Donc effectivement, la CGT, pas plus que le système capitaliste dans lequel elle exerce son activité, ne sont sortis des crises qui s'enchaînent, qui se multiplient et qui se démultiplient aussi, qui touchent à des aspects de plus en plus importants de la société, au point que le mot lui-même de crise, qui était très peu employé dans les années 1980-1990, est aujourd'hui une véritable tarte à la crème, un mot valise dont on ne sait plus très bien quel est le contenu d'ailleurs. Alors pourquoi consacrer une conférence « Sortir de crise » à une période de crise si on n'est pas sorti de la crise en question? C'est tout un sujet de thèse, de bac peut-être. Et j'avoue être responsable un peu de ce choix. Quand le bureau de l'Institut d'Histoire a défini des échéances, dont, que Gilbert vient de rappeler, les échéances historiques à traiter, j'ai suggéré de ne pas laisser la période 1980-1990 à l'écart de la réflexion parce qu'il me semblait que même si effectivement on n'est pas sorti de la crise, ça ne veut pas dire que rien n'a été fait pour pointer les problèmes, les aborder, essayer de trouver des solutions. Et je trouvais intéressant de pouvoir donner à connaître un certain nombre de ces éléments, de ce travail invisible souvent qui a été réalisé aux militants et militantes d'aujourd'hui pour peut-être leur donner quelques idées sur la façon dont ils peuvent ou elles peuvent concevoir leur activité aujourd'hui. Alors, vous le savez, l'IHS, ce n'est pas très différent de la CGT. Et dans la CGT, quand quelqu'un fait une proposition, en général, on se retourne vers lui ou vers elle et on lui dit, eh ben, c'est toi qui fais. Et ben, dans l'IHS, c'est pareil. Donc, du coup, ben, ça me retombe dessus et je me retrouve un peu comme la poule devant un couteau. Comment est-ce que je vais me sortir de ça? Alors, avant d'en venir au fond, je voudrais rappeler qu'en novembre 2016, l'Institut d'Histoire a tenu un colloque très important consacré à la CGT face aux crises, dont la période était 1975-1995. Un livre est issu de ce colloque, qui porte le même titre. Ce livre comporte 46 contributions, c'est très, très important, des contributions émanant à la fois de chercheurs et à la fois de syndicalistes, qui sont toutes très, très intéressantes, et je vous conseille de lire le livre, naturellement, moi je l'ai fait, au point que lorsque j'ai assisté au colloque, j'y suis même intervenue et j'ai lu le livre, et lorsque j'ai relu le livre pour préparer la conférence, je me dis, mais qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Ben, comme souvent, quand on ne peut pas ajouter quelque chose de plus, il faut essayer de faire quelque chose de différent. Et donc, ce que je vais faire de différent, c'est justement m'en tenir au thème qui nous est proposé pour aujourd'hui, c'est-à-dire sortir de crise. Et donc, je ne vais pas traiter, peut-être certains et certaines d'entre vous seront un peu déçus, et ça m'a été très difficile, mais je ne vais pas traiter de ce qu'a été la période. Je vais prendre exclusivement les efforts qui ont été faits pour sortir la CGT de la période difficile qu'elle traversait. Alors, je vais le faire à partir de ce que je suis. Gilbert en a rappelé un petit peu. Donc, je suis une militante engagée, je l'ai toujours été. C'est-à-dire pas neutre, j'ai toujours donné mon avis dans les instances, quelquefois avec raison, quelquefois avec tort, quelquefois j'ai convaincu du monde, quelquefois du monde m'a convaincu, c'est la vie syndicale. Ça, évidemment, ça imprègne aussi la façon que j'ai eue de construire la conférence. J'ai été élue membre de la CE confédérale en 1982, donc la période dont je vais parler, pour une part, j'étais membre de la CE confédérale. Je n'ai été élue au bureau confédéral qu'en 1995, donc ça c'est après. En 1988, j'ai été élue secrétaire générale de la Fédération des PTT. Autant vous dire que dans la période dont je vais parler, mon expérience
À la fois, j'étais membre de la CE, j'ai participé au débat, mais je le faisais à partir d'une activité syndicale qui, elle, était imprégnée de l'activité essentiellement PTT. Voilà. Cela étant, je ne voulais pas vous faire un témoignage. Je reprends à mon compte la formule, l'une des formules préférées d'Eliane Bressol, notre ancienne présidente, qui dit « Nous sommes des militants et des militantes de l'histoire sociale ». C'est comme ça que j'ai conçu mon travail, c'est-à-dire je suis allée chercher dans mes textes, dans les références historiques pour construire cette conférence, plus que dans mon témoignage qui n'a pas un intérêt majeur. Mais évidemment, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vécu certaines choses. Hein. Alors, j'en viens maintenant au choix de la période, de façon un peu plus approfondie que ce que je vous ai dit tout à l'heure, 1980-1990. Vous remarquerez qu'elle est plus étroite que celle couverte par le colloque, qui allait de 1975 à 1995. Et pourquoi cette période? C'est un focus, en quelque sorte. Et je vais vous citer une citation de Sophie Desroux dans le livre qui rencontre du colloque. Elle estime que le premier mandat de Louis Vianney, élu secrétaire général en 1992, est encore dominé par les enjeux et conflits internes qui ont traversé la CGT, tandis que le second mandat, à partir de 1995, appartient davantage à une période de redéploiement. Je partage, la formule me paraît juste. Et donc, moi, ce que je vais essayer d'explorer, c'est comment est-ce qu'on est passé de cette période de débat interne très vif, clivant, peu respectueux des personnes, à la période du déploiement de la CGT vers les autres, qui a permis le mouvement de 1995. Alors, c'est à ce focus sur 10 années que je vais me consacrer. Je vais le faire en 4 parties. Peut-être David va mettre le plan pour que vous puissiez vous y repérer. Mais donc, déjà, je vous le dis. Ma première partie, je ne vais pas faire autrement, sera quand même de présenter la décennie dans laquelle ça se passe. C'est-à-dire, alors, j'ai beaucoup hésité sur le titre. J'avais commencé par les années terribles. Et puis, bon, finalement... Je suis sur la décennie où tout vacille. La deuxième partie sera à la recherche d'une issue à la crise capitaliste. La troisième, du déni de la crise syndicale à son possible renouveau, le renouveau du syndicalisme évidemment. Et enfin, quatrième partie, la CGT se renouvelle pour rester elle-même. Donc, première partie, la décennie où tout vacille. Dans cette période, je crois que c'est la période la plus terrible pour la CGT, parce qu'en fait, tout vacille, en dehors d'elle et en elle. Donc, je vais là aussi traiter 3 aspects, l'international, le politique et le sociologique. Donc, d'un point de vue international, au début des années 80, on parle de crise économique. Pour beaucoup, on parle encore de crise pétrolière, d'ailleurs. Mais la CGT, elle parle de crise du capitalisme. Avec le recul aujourd'hui, nous savons que cette crise conduira à l'émergence d'une nouvelle forme de capitalisme. On ne le sait pas à l'époque, on commence juste à le deviner. Capitalisme qui deviendra le capitalisme financier internationalisé, qu'on appelle aussi capitalisme néolibéral. Les figures de proue en sont Margaret Thatcher, qui devient Premier ministre de Grande-Bretagne en 1979, et Ronald Reagan, qui devient président des États-Unis en 1981. Leur credo appliqué sans merci à l'échelle du globe, c'est la formule TINA, pour « There is no alternative », c'est-à-dire « Il n'y a pas d'alternative ». L'intransigeance dont Margaret Thatcher fera preuve à l'égard, entre autres, du conflit des mineurs britanniques de mars 1984 à mars 1985, aura raison de la puissance des syndicats britanniques. Cette expérience marquera durablement les réflexions et stratégies syndicales un peu partout, mais notamment en Europe, et y compris pour nous en France. Dans les États européens et dans les institutions internationales, les mêmes recettes s'appliquent. Les États réduisent leurs dépenses sociales, privatisent les entreprises publiques et déréglementent à tout va. En France, les directives européennes sont utilisées pour briser la spécificité française des services publics dits intégrés, c'est-à-dire cumulant monopole public sur les fonctions de réglementation et d'exploitation, propriété du capital et statut également public pour les salariés. La dérégulation du transport aérien commence au début de la décennie, aux USA,
et se poursuit en Europe à partir de 1987. En 1990, en France, la loi Rocard-Quilez met fin au statut d'administration des PTT, qui datait de Louis XI. Une deuxième loi déréglemente le secteur des télécommunications et ouvre la voie à la mise en concurrence et à la privatisation des télécoms, avant que d'autres secteurs ne suivent la même pente, énergie, ferroviaire, etc. Au plan international, le partage du monde, qui semblait relativement stable depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, se fissure. En 1980, la Chine se convertit à l'économie socialiste de marché. Dans le même moment, l'URSS lance son offensive en Afghanistan. Le 13 décembre 1981, l'état d'urgence est prononcé en Pologne par le général Jaruzelski. En 1985, est lancée en URSS la perestroïka. En 1989, le mur de Berlin tombe. En 1991, l'URSS est démantelée, vous rendez compte, sur 10 ans. Cet effondrement des régimes se réclamant du socialisme conforte un retournement idéologique qui encourage la poussée néolibérale et la recherche de solutions individualistes plutôt que collectives. Deuxième point dans cette partie sur la décennie où tout vacille, d'un point de vue politique. Quand commence cette période, en 1980, la gauche est désunie. Le programme commun de gouvernement, qui avait été signé en 1972 entre PS, PC et radicaux de gauche, est rompu depuis 1977. La gauche s'est présentée séparée aux élections législatives de 1978, même si elle a pratiqué ou tenté de pratiquer des désistements réciproques au deuxième tour des élections. La CGT a appelé à soutenir les candidats de gauche placés en tête au deuxième tour, position qui ne va pas sans forte contestation interne. En 1980, à l'approche des élections présidentielles, les tensions internes sont encore plus vives. Elles sont accentuées par des positionnements différenciés sur la situation internationale, notamment sur l'intervention soviétique en Afghanistan, et ensuite sur la prise du pouvoir par Jaruzelski en Pologne, et surtout les arrestations de militants syndicaux de Solidarnosc. Le débat a étendu également sur la crise, l'appréciation de celle-ci et de son issue, d'autant plus que le même sujet est au cœur des divergences apparues avec la CFDT. Depuis 1978, en effet, la CGT a été informée par la CFDT que la stratégie dite de recentrage, adoptée par cette dernière, interdisait désormais toute action commune au niveau national, soit interprofessionnel, soit professionnel. La stratégie adoptée par la CGT sur ce point crée là aussi des divergences internes. 4 secrétaires confédéraux quittent leurs responsabilités entre le 40e et le 41e congrès. Parallèlement, une crise s'ouvre à la rédaction du magazine féministe de la CGT Antoinette, qui conduira au départ de la quasi-totalité de l'équipe de rédaction. Antoinette survivra quelques années, mais en 1989, sa diffusion étant devenue confidentielle, le CCN décide de la suspension, c'est le terme exact, de la suspension de sa parution. Troisième point dans cette partie sur la décennie, là je reconnais que c'est pas du tout optimiste, hein, ce que je vous donne. Je vous donne le cadre, parce que... Voilà, si vous voyez qui a vécu cette période, j'avais le sentiment qu'on était sur du sable, que tout ce qu'on essayait de construire s'effilochait comme le sable dans vos mains, et que chaque fois qu'on remontait d'une vague, une deuxième vague qui arrivait derrière et que vous remettez la tête sous l'eau. C'est ce sentiment que j'avais, je pense que beaucoup de militants ont vécu ça dans la période, donc j'ai essayé de le retraduire. Donc maintenant, d'un point de vue sociologique, de 1982 à 1990, l'industrie française perd 800 000 emplois. Les secteurs les plus touchés sont ceux où la CGT avait le plus de force organisée, historiquement implantée et dotée d'une expérience qu'il sera difficile de remplacer. Le secteur tertiaire, lui, passe par contre de 50 à 65% des emplois et progresse en nombre. C'est là que l'on trouve le plus gros des couches nouvelles du salariat, notamment la majorité des femmes salariées. Mais la CGT y est moins présente et moins organisée.
Les décisions prises pour créer un secteur confédéral employé ne parviendront pas à dépasser le stade du diagnostic, c'est la formule Marie-Krasicki. Le chômage s'installe comme une donnée de masse structurelle et durable. De 1982 à 1990, le nombre de demandeurs d'emploi augmente d'environ 90 000 par an. Il touche principalement les hommes avant 25 ans et après 50 ans. Dans un contexte où la population active continue d'augmenter d'environ 800 000 emplois par an, essentiellement du fait de la massification du travail des femmes. La précarité se développe, en particulier chez les jeunes. Les premiers emplois dits jeunes, même si on ne les appelait pas comme ça à l'époque, c'était les TUC, ont été créés par le gouvernement Barre sous Giscard. Et c'était les premières formes d'emplois précaires dédiées aux jeunes. Le temps partiel est institué en 1982. Il interrompt la marche en avant des femmes vers une activité professionnelle égale à celle des hommes. En quelques années, précarité et temps partiel vont créer la nouvelle catégorie des travailleurs pauvres, dont les femmes vont constituer la majorité. Dans les entreprises, le travail change, avec davantage de flexibilité et d'aménagement des horaires, de nouvelles méthodes de management qui commencent à fracturer les collectifs de travail. Partout, les garanties collectives et les statuts sont menacés. L'individualisme est érigé en référence d'avenir pour toute la société. L'affairisme est valorisé. Les deux figures qui se dégagent de la période sont d'une part Bernard Tapie et d'autre part Jean-Marie Le Pen qui fait son entrée sur les médias en 1984 et tout à l'heure, avant qu'on commence, Pierre Lalba, je ne vois plus dans la salle, mais il est là, voilà, il est là. Pierre Lalba m'a apporté une pétition qui avait été lancée par la Fédération des PTT contre le fait que Jean-Marie Le Pen soit invité à une grande émission qui était l'heure de vérité, une grande émission télévision, télé pour la première fois. Il y a des choses dont il faut se rappeler. Donc, si vous voulez, la conclusion de la période, c'est que de quelque côté que le regard se tourne, tous les indicateurs sont au rouge pour la CGT. Alors, deuxième partie, à la recherche d'issue à la crise capitaliste. Je ne pouvais pas parler de sortie de crise sans parler de sortie de crise capitaliste. Je pense d'ailleurs que c'est la seule conférence qui traite d'une période où la crise du système est conjointe à la crise interne. Ça fait partie des spécificités. Donc, premier point dans cette recherche d'issue à la crise capitaliste, c'est agir syndicalement sous un gouvernement de gauche. Dans leur enquête auprès de militants pour leur livre sur la CGT, paru en 1995, Guy Groux et René Mourion montrent, je cite, « Pour les militants, l'évocation des rapports de la CGT au mouvement communiste paraît moins centrale que celle du rapport à la gauche au pouvoir. » De fait, cette question du rapport de la CGT au gouvernement de gauche laissera dans les consciences et les expériences militantes une empreinte sans commune mesure avec l'effet de toutes les alternances politiques qui suivront. En quelques jours, quelques semaines, les militantes et les militants vont être confrontés à une masse de questions à la fois nouvelles, d'une complexité inouïe, à évolution très rapide, qui souvent heurtent leurs convictions profondes, où les options à caractère directement politique s'entremêlent et quelquefois se contrarient avec les problématiques classiquement syndicales. Les controverses sont nombreuses. Depuis la célèbre formule au lendemain des élections, selon laquelle la CGT fait partie de la majorité présidentielle, jusqu'à celle selon laquelle elle ne jouera ni les pompiers, ni les pyromanes. Un doute existe sur le fait que la CGT pourrait ne pas être totalement indépendante du gouvernement et pourrait ne pas encourager les luttes au prétexte de ne pas gêner le gouvernement et l'expérience qui se met en place. Cette idée de ne pas gêner le gouvernement est omniprésente dans les réactions des salariés. Il faut bien que la CGT en tienne compte pour ses propositions d'action. Mais un doute se crée sur la réelle volonté de la direction confédérale et plus largement
des directions syndicales nationales de vouloir vraiment réaliser les conditions d'action fortes pour obliger le gouvernement à prendre en compte les revendications. On comprend les racines de ce doute à la lecture du document d'orientation du 41e Congrès, même s'il a été voté sans difficulté majeure. Le document a été voté sans difficulté majeure. On y lit par exemple, je cite, « Il n'y a plus de bloc patronat-gouvernement contre les travailleurs. » On y lit aussi « La longue et difficile période d'opposition au pouvoir en place est aujourd'hui derrière nous. » On y lit encore « Cette réalité doit imprégner toute la pratique syndicale aujourd'hui. » Le document ajoute « Cela suppose donc une rupture avec ce qui a été le lot quotidien des militantes et militants durant 30 à 40 ans. » Fin de citation. On est en juin 82, un an donc après l'arrivée de la gauche au pouvoir. S'il est vrai que pendant une courte période, la situation est apparue comme suspendue, en équilibre, tant du côté des forces patronales que des forces politiques. Personne ne savait vers où ça allait. Il n'est pas moins vrai que depuis, les plans de licenciement ont repris sans que l'on sente une réelle volonté politique de peser pour des choix industriels alternatifs. Un certain nombre de réformes positives sont engagées, c'est également vrai. Mais elles portent plus la marque au plan syndical des options de la CFDT, dont les militants occupent la majorité des postes des cabinets ministériels, que de la CGT. Dans sa contribution au livre « La CGT à l'épreuve des crises » dont je parlais sur le colloque, Mathieu Tracol évalue le poids de la CFDT dans les cabinets ministériels à 56% et celui de la CGT à 13%. Quand le document ajoute, le document d'orientation du 41e Congrès, toujours le même, le gouvernement n'est pas notre adversaire, il doit être notre partenaire. Pour procéder aux réformes nécessaires attendues par les Français, fin de citation, l'idée ne passe pas facilement, en particulier dans le secteur public et nationalisé. L'État, en effet, c'est l'employeur du secteur public et nationalisé. On le qualifie depuis longtemps d'État patron. Comment imaginer que la CGT puisse le considérer comme un partenaire. De plus, ce serait probablement un partenariat à sens unique. À ce propos, Mathieu Tracol, que je viens de citer, constate, je cite, « Le gouvernement maurois se méfie de la CGT et la CGT ne le soutient pas de manière inconditionnelle. » Fin de citation. En effet, même la loi d'amnistie a dû faire l'objet d'une âpre bataille pour être étendue aux sanctions pour faits de lutte et d'action syndicale, alors que ce sont bien ces luttes et cette action syndicale qui ont permis l'élection de François Mitterrand en 1981. Et nous savons tous que c'est devant le 41e Congrès, invité à la mairie de Lille, que le Premier ministre Pierre Mauroy a annoncé le blocage des salaires que la CGT a immédiatement contestée et sur lequel elle a essayé de mobiliser. Les militants sont donc traversés de courants d'idées contradictoires. D'un côté, des velléités d'opposition franche au gouvernement se manifestent. De l'autre, d'autres militants privilégient un esprit de conciliation pour laisser toutes ses chances à l'expérience de gauche. Entre les deux, des militantes et militants font ce qu'ils peuvent pour tenter d'exploiter au mieux les quelques possibilités ouvertes par une situation tout à fait nouvelle. Et je voudrais ajouter qu'il ne s'agit pas de trois blocs militants. Les frontières, elles ne sont pas étanches. On peut être contre le gouvernement à un moment et puis penser qu'il ne faut pas le gêner à un autre. Mais tout le monde a été traversé de toutes ces contradictions. Cependant, même si au soir du 10 mai, dans les semaines qui ont suivi, certains ont pu éprouver le sentiment que tout était possible, ils ont déchanté relativement rapidement. Quand, à l'ouverture du 41e Congrès, en juin 82,
Henri Krasucki compare la situation avec celle qui, deux siècles plus tôt, a précédé la Révolution française de 1789 et parle de mutations historiques de la société française qui rendraient possibles les grandes transformations sociales appelées par le 40e Congrès, ajoutant « c'est même cela qui a commencé, on a envie de le croire, mais ça n'est déjà plus ce que l'on vit ». Mon propos n'est pas ici de faire le bilan de cette période pour la CGT. Il s'agit seulement de l'avoir en tête pour comprendre comment cette période a imprégné toutes les années qui ont suivi dans la situation interne et quelquefois externe traversée par la CGT. Deuxième sous-partie dans cette première partie, la vision de l'issue à la crise conditionne la stratégie de rassemblement et d'action. Pour la CGT, dès la fin des années 70, la crise que traverse la France et plus généralement les pays du monde capitaliste est celle du capitalisme lui-même, qui arrive, dit-elle, à ses limites historiques. Ni le 40e congrès, ni le 41e n'abordent la situation dans les pays du bloc soviétique dans l'analyse de la crise. On comprend donc, en creux, que pour la CGT, la crise ne concerne pas ces pays. Le socialisme, tel que l'identifie le 40e congrès, c'est la perspective à laquelle il faut, dit-il, gagner les consciences pour en finir avec le capitalisme et ainsi trouver la seule issue possible à la crise dans laquelle le pays s'enfonce. Dans un paragraphe du programme d'action intitulé « Un avenir socialiste pour la France », le 40e congrès note même que la perspective du socialisme, je cite, « avance dans les consciences ». Fin de citation. Si la crise est celle du système capitaliste, sa dimension est internationale. Mais elle a aussi des bases concrètes dans chaque pays. Il est alors possible de la surmonter par des réformes de structure démocratique et anticapitaliste, dit le 40e congrès. C'est tout l'enjeu d'une démarche de rassemblement dont, dit le 40e congrès, l'expression politique ne peut être que l'union de la gauche. 40e congrès, c'est 1978. Tout en constatant qu'il est trop souvent arrivé que le soutien au programme commun de gouvernement signé entre les partis de gauche éclipse le programme de la CGT, entre guillemets, éclipse le programme de la CGT, la CGT insiste sur l'importance d'exprimer son soutien en termes syndicaux à tout ce qui permet l'ouverture d'une perspective politique et donc à mener la lutte pour la démocratie économique et politique afin de réaliser les changements qu'il est urgent d'apporter à la société. C'est avec ce corpus théorique du 40e congrès que la CGT aborde la période qui s'ouvre avec l'élection de François Mitterrand, dont je viens de parler. Un an après cette élection, le 41e congrès procède à l'analyse de ce qui vient de se produire, aux potentialités et aux blocages qui se manifestent, mais je ne les développe pas, ce n'est pas le centre de mon propos. Concernant spécifiquement l'analyse de la crise et ses possibles issues, elle est omniprésente, elle est même pesante. 13 pages sur 68 du document d'orientation sont consacrées aux questions posées par la crise, non seulement à la CGT, mais à la politique gouvernementale. Et c'est pareil dans le programme d'action où on parle, au moins pendant 3 feuillets d'introduction de la crise pour dire qu'elle n'est pas fatale. Le mot associé, c'est « il n'y a pas de fatalité de la crise », mais voilà, hein, comme on en sort, ça reste quand même un grand mur devant, soi, devant nous. L'introduction du programme de la CGT affirme vouloir préciser le programme de la CGT pour un changement durable. Celui-ci est présenté comme la condition pour ouvrir la voie, je cite, à un socialisme autogestionnaire. Le mot autogestionnaire est nouveau par rapport au 40e congrès. Et le 41e précise encore, conforme aux besoins et aux conditions de notre pays. Donc, on note l'inflexion par rapport au 40e sur le caractère autogestionnaire et les besoins et conditions propres à notre pays. On peut y voir d'une part la traduction de la critique montante sur l'insuffisance des libertés démocratiques dans les pays d'Est et aussi le début d'une réflexion stratégique, et c'est ça qui m'intéresse, sur l'idée qu'il ne suffit pas de prendre le pouvoir politique, il faut aussi viser les pouvoirs économiques exercés par les travailleurs dans les entreprises. Chaque avancée conquise, chaque recul imposé au grand patronat
constitue donc le chemin d'une rupture avec le capitalisme et la voie vers un socialisme autogestionnaire que la CGT anticipe en menant la lutte, nouvelle idée dans le 41e congrès, pour de nouveaux critères de gestion. À partir de cette problématique, la Confédération, son secteur économique en tête, impulse une grande bataille pour que chaque dossier, chaque concertation, chaque conflit soit l'occasion pour la CGT de développer et faire connaître des propositions répondant à chaque situation concrète, mais cohérente avec l'objectif de changements fondamentaux progressifs. Cette impulsion pour que la CGT se mette en position de créer partout des rapports de force sur de nouveaux critères de gestion conduit à un foisonnement d'idées et de propositions assez impressionnants. C'est la période où, par exemple, avec l'aide de la CGT Renault, un prototype de voiture populaire est réalisé et exposé dans le patio de la CGT. Il ne sera jamais, hélas, industrialisé, mais il a existé. Et d'autre part, plusieurs fédérations, plusieurs syndicats d'entreprises éditent jusqu'à des livres pour faire valoir leurs propositions auprès des salariés. La fédération des PTT, ma fédération par exemple, édite un livre « PTT si on gérait autrement » en 1984, et ce livre alimentera durablement les batailles de la fédération. Un nouveau débat surgit alors, plan confédéral, celui du rapport entre propositions et revendications. L'attention est attirée sur le fait qu'il ne faudrait pas créer une césure entre des revendications qui relèveraient du social et des propositions qui relèveraient de l'économique, au risque d'ailleurs de perdre en cohérence et en efficacité, et au risque aussi de considérer que les propositions économiques ne feraient pas partie de la bataille de classe, relèveraient plutôt de la co-gestion, voire de la collaboration de classe. Donc, au contraire, la CGT veut démontrer que faire des propositions pour un nouveau type de gestion est la condition pour faire progresser les revendications dans les consciences et dans les luttes. Il s'agit donc de conjuguer revendications, propositions et actions. Un peu plus tard, en 1985, le 42e congrès affirme « La recherche de solutions à la crise est un élément de l'action qu'elle vient étayer et dont elle peut devenir un objectif dans certains cas. » Donc on voit bien, on cherche à ce que les propositions deviennent des revendications, outils en quelque sorte, les revendications. Les propositions économiques deviennent revendications économiques dans le programme d'action du 42e congrès. Ce congrès, 1985, donc, considère décisif de donner une dimension, une impulsion et une finalité bien plus fondamentale à notre démarche revendicative. En 1992, le document d'orientation définit encore un entre-deux. D'une part, il affirme que la CGT n'a pas pour vocation de définir une société idéale. De l'autre, il a un sous-titre significatif, « Oui, transformation sociale, oui, socialisme ». Il précise alors ce qu'il estime être incontournable pour un réel changement de société, réponse aux besoins des salariés, encouragement à leur intervention, démocratie à tous les niveaux de la société, celle-ci devenant l'objectif et le moyen de toute construction nouvelle, accroissement du rôle et de la place des syndicats et de leur indépendance. Je reviendrai sur la question de l'indépendance tout à l'heure. On sent là, en creux, une interface avec ce qui a échoué dans les pays de l'Est, échec à propos duquel le 43e, en 1992, reconnaît que, je cite, « La CGT a largement sous-estimé l'ampleur du rejet du système par les peuples concernés. » Donc, je termine cette partie. Pendant ces 10 années, la vision qu'a la CGT du changement de société évolue. L'idée qu'il doit d'abord être le fruit d'un changement par le haut s'estompe au profit d'une vision en termes de processus de conquête progressive, de lutte concrète, enracinée, mais dotée d'exigences alternatives sur la gestion des entreprises et celle du pays. Troisième partie, du déni de la crise du syndicalisme à son possible renouveau. Pendant la décennie, la CGT va être confrontée à 3 enjeux majeurs qui vont la conduire à préciser ou à renouveler les traits caractéristiques de son syndicalisme. Celui de la thème
celui du thème de la crise du syndicalisme, celui des coordinations et celui de la tentative de recomposition syndicale. Toute crise conduit, ça c'est moi qui dis, hein, je l'assume, toute crise conduit en premier lieu à un réflexe identitaire de conservation de l'existant. Et dans la période, la CGT n'échappe pas à cette réalité. Mais on peut aussi lui faire crédit d'avoir su aussi, après un temps plus ou moins long ou plus ou moins court, c'est selon, s'interroger et avancer des axes de transformation de son propre syndicalisme pour se mettre en situation de rebondir par rapport aux situations où elle se voyait en difficulté. Alors, première sous-partie, un affaiblissement syndical certain. En 1981-82, la CGT recueillait autour de 32% des voix aux élections au comité d'entreprise. 10 ans plus tard, en 1991-92, elle n'en recueillait plus que 22%. Donc, ça fait moins de 10%, mais en fait, c'est un tiers en moins, puisqu'elle faisait 30%. 10% de moins sur 30%, c'est un tiers de son électorat qui est passé ailleurs. Sur la même période, la participation a chuté de 10 points. Les listes non syndicales ont progressé de 14 points. En 1991, les listes non syndicales totalisent plus de voix que la CGT. 30,9% pour les premières, 20,4% pour la CGT. Notons que les résultats entre la CGT et la CFDT se jouent dans un mouchoir de poche. La CFDT est en 1991-92 à 20,5% et la CGT, je vous l'ai dit, à 22%, donc à 1,5% d'écart entre les deux. La CFDT était à 22,3% en 1981. Elle a donc perdu 2 points, donc elle aussi, 10% de son électorat, entre dans les 10 ans. La CFDT baisse moins que la CGT. Mais elle baisse quand même, donc dans une proportion par rapport à son électorat identique. C'est donc l'ensemble du syndicalisme confédéré qui est en difficulté. Côté syndicalisation, ce n'est pas mieux si ce n'est pire. D'après la contribution d'Eliane Bressol au colloque dont j'ai parlé, la CGT à l'épreuve des crises, la CGT comptait 1,8 million d'adhérents actifs en 1975. Ils ne sont plus qu'1,286,000 en 1981 et 511,000 en 1989. En 1994, le compteur s'arrête à moins de 500,000, nous dit Eliane. Elle précise que les années 82-89 sont les plus noires, moins 16% en 82 en nombre de syndiqués, puis moins 7% par an en moyenne, entre 83 et 88. Mais évidemment, ça se cumule, hein, les retards se cumulent, les pertes se cumulent. La CGT a donc perdu 70% de ses syndiqués entre 1975 et 1989, dont 60% entre 1981 et 1989. Moins présente dans le secteur industriel sacrifié au nom de la crise, la CFDT, d'après Franck Georgi est un universitaire qui est spécialiste de la CFDT perd donc 40% de ses syndiqués sur la période 76-86. J'avoue que j'ai entendu des chiffres supérieurs émanant de dirigeants confédéraux de la CFDT, mais ne pouvant citer de sources fiables, je préfère en abstenir. Donc on reste sur la base du travail de Franck Georgi, 40% de moins de syndiqués sur la période 76-86. Une étude de l'INSEE constate que les effectifs syndiqués diminuent dans toutes les branches et pour tous les syndicats à partir de 1977-1978. En 15 ans, la perte globale est estimée à environ 50%. Tout le syndicalisme est donc en réelle difficulté. Une occasion en or pour engager une forte campagne médiatique et politique sur l'idée de crise, voire de mort annoncée du syndicalisme. Donc c'est ma deuxième sous-partie, le thème de la crise du syndicalisme. Si le terme de crise est devenu aujourd'hui une véritable tarte à la crème, un mot qu'on emploie à tout bout de champ, c'est loin d'être le cas dans les années 80. À l'époque, il porte en lui l'idée d'une mort inéluctable, soit
à réaliser un agenda mental, ce qui, pour la CGT, signifierait abandonner tout ce qui la caractérise. Quelles sont les thèses avancées en faveur de l'idée de crise du syndicalisme? D'abord, celle de la fin de la lutte des classes, et donc du syndicalisme de classe, qui serait condamné l'un et l'autre par les évolutions technologiques et sociologiques. En même temps que disparaissent les industries qui ont donné naissance à la classe ouvrière et au mouvement ouvrier, disparaîtrait donc toute idée de lutte et d'aspiration à un monde meilleur. Un deuxième groupe d'arguments présentait le syndicalisme non seulement comme archaïque, dépassé, mais même comme inutile. Les directions d'entreprise veillant au consensus et à la cohésion sociale, elles occuperaient le rôle précédemment dévolu aux syndicats. Les contradictions d'intérêts seraient effacées, les salariés devenus des collaborateurs n'auraient d'autres ressources que d'adhérer aux objectifs stratégiques de l'entreprise et à leur mise en œuvre. Un troisième groupe d'idées pousse encore plus loin la logique d'inutile. Le syndicalisme pourrait même devenir nocif, puisque faisant obstacle aux réformes et restructurations prétendument nécessaires à l'évolution de la société française. Enfin, puisque ce syndicalisme est nocif, il n'y a pas d'hésitation à avoir pour organiser la répression, voire même criminaliser l'action syndicale et les luttes. Côté patronal, certains n'hésitent pas à verser des larmes de crocodile sur la crise syndicale et à prétendre souhaiter des syndicats forts, entre guillemets. La question est alors fort pourquoi ? Fort pour organiser les salariés et leur permettre de se faire entendre, ou fort pour faire passer parmi les salariés les objectifs de la direction d'entreprise et le message consensuel. Comme on peut s'y attendre, ces campagnes visent principalement la CGT, pour au moins deux raisons. La place historique de première organisation syndicale qu'elle occupe, à la fois dans l'histoire, c'est-elle la première à être créée en France, et dans la place que lui reconnaissent les salariés. La CGT est toujours la première impactée dès que l'on parle du syndicalisme, pour le pire et pour le meilleur. Quand le syndicalisme va bien, la CGT va mieux que les autres, et quand le syndicalisme va mal, la CGT va plus mal que les autres. Ça, c'est une réalité de plusieurs années d'observation. Mais la deuxième raison pour viser principalement la CGT dans la crise du syndicalisme, c'est sans aucun doute la plus importante, c'est que même affaiblie, la CGT est un obstacle de taille à l'offensive néolibérale. L'objectif est donc à la fois de peser sur ses orientations, sur ses actions et sur ses capacités de mobilisation. Parvenir à la marginaliser, à l'isoler sur l'échiquier syndical, complète l'offensive. On comprend dans ces conditions que la CGT ait mis un certain temps à s'approprier le thème de la crise du syndicalisme. Plus la pression était forte, plus elle résistait. Elle y voyait en quelque sorte un enjeu existentiel. Si elle lâchait là-dessus, elle lâchait sur tout le reste. Il y a donc trois temps dans l'appropriation de la CGT, par la CGT, de la thématique de la crise du syndicalisme. Le premier temps va en gros jusqu'à l'orée de l'année 1985. La CGT récuse toute idée de crise du syndicalisme. Les difficultés qu'elle rencontre sont soit liées, soit attribuées à une période transitoire que des mesures d'impulsion et d'organisation pourront résoudre. Dans un deuxième temps, qui va de 1985 donc à 1990, elle affirme que si crise du syndicalisme il y a, ce ne peut être que celle du syndicalisme réformiste, que le document du 42e congrès, le document d'orientation du 42e congrès, nomme le syndicalisme de renoncement. Il est présenté comme enfermé dans une contradiction insurmontable, soit persévérer dans son acceptation de la gestion de la crise, ce qui le conduirait à accepter, voire favoriser les reculs sociaux et finirait par le priver de sa raison d'être, soit à combattre la crise, appelé à la lutte et à l'unité d'action, et alors il se renie lui-même. Dans le même document, la CFDT est accusée de participer à plein, par sa stratégie de recentrage, à l'offensive contre le syndicalisme, emportant elle-même l'idée de crise du syndicalisme, celle de l'inutilité de la lutte et de la grève. En avril 87 encore,
Le rapport à la CE confédérale constate que la conclusion de plusieurs débats de la CE confédérale est, je cite, qu'il n'y a pas de crise du syndicalisme de lutte, du syndicalisme revendicatif. Là encore, l'accent est mis sur la crise des différentes variantes du syndicalisme réformiste qui résulterait de l'impossibilité pour celui-ci d'obtenir par la négociation et le compromis quoi que ce soit de positif pour les salariés. Dans un troisième temps, enfin, qui commence en 1990, la CGT s'approprie l'idée de crise du syndicalisme. Elle le fait de manière offensive, c'est-à-dire avec des propositions susceptibles de donner un nouveau souffle au type de syndicalisme qu'elle incarne, ce qui sera détaillé sous la forme de l'exigence d'un renouveau du syndicalisme. Ainsi, le document d'orientation du 44e congrès en 1992 reconnaît en termes encore très prudents, je cite, « La crise que traverse notre pays traverse le syndicalisme lui-même, la CGT n'y échappe pas. » Ça a été pesé, je ne me rappelle pas les amendements, c'était vraiment pesé. Le document d'orientation appelle à un profond renouvellement de notre syndicalisme, non pas pour se renier, mais pour être toujours mieux la CGT de notre époque. Alors, pourquoi tant de temps pour arriver à ce constat? Pendant un peu plus de 5 ans, la CGT aura donc refusé de se considérer en crise et elle en aura mis autant pour définir une contre-offensive. Pourquoi? Une partie de la réponse nous est donnée par Jean Magnadas dans une table ronde publiée par Société Française en 1991. Jean Magnadas qui a été responsable confédéral éminent et qui a été aussi vice-président de notre Institut d'Histoire. Jean Magnadas dit donc en 1991 « J'ai mis beaucoup de temps à me reconnaître dans le mot crise. Pas sur l'idée qu'on ne peut plus continuer comme avant, mais parce qu'il m'était impossible de faire abstraction du contexte dans lequel ce terme est apparu et de l'idéologie qui le porte. » Il conclut, il dit « L'idéologie qui le porte inclut l'idée de disparition du syndicalisme, de la fin du mouvement ouvrier, de l'institutionnalisation du syndicalisme. Or, poursuit Jean, les transformations sociales et les mutations du salariat, très importantes, ne modifient pas les bases sur lesquelles se fonde le syndicalisme, c'est-à-dire la lutte contre l'exploitation et l'aliénation, qui n'ont pas disparu. » Dans la même table ronde, René Mouriot dit que le terme de crise du syndicalisme lui paraît adapté du fait de la phase de grande réflexion et de remise en cause dans laquelle se trouve le syndicalisme, ainsi que de l'acuité des problèmes qu'il rencontre. Mais il ajoute que lorsque ce terme est employé dans le sens de déclin ou de mort du syndicalisme, alors je ne m'y reconnais pas. Deuxième sous-partie, les coordinations. Alors, mon sous-titre, c'est « Les coordinations, un nouveau syndicalisme, un point d'interrogation ». Le 26 décembre 1986, éclate un conflit chez les cheminots, encore un, mené là par une coordination. J'insiste sur la date, 26 décembre, ce qui était pas bien chez les cheminots, on ne faisait pas grève dans cette période-là pour ne pas gêner les usagers pendant les fêtes. Le premier communiqué confédéral y voit, je cite, une duperie et une récupération politicienne. Mais dès le 28 décembre, donc 48 heures après, le bureau confédéral affirme son appui total à la lutte des cheminots en respectant pleinement son caractère spécifique, dit-il. Et il appelle à des manifestations interprofessionnelles de soutien à la lutte dès le 30 décembre. Donc, 2 jours pour changer de position et 4 pour arriver à organiser des manifs interprofessionnelles. Le 7 janvier, le rapport du BC, du Bureau confédéral à la ACE, parle d'une nouvelle offensive contre le syndicalisme de lutte et de réactualisation de du thème de la crise du syndicalisme. Le 15 janvier, la Confédération évalue déjà la portée du conflit, mais surtout des interrogations que lui pose en termes de pratique syndicale, Et là, la Confédération affirme sa volonté d'une pratique syndicale nouvelle, ouverte, démocratique, débarrassée de toute routine et de tout bureaucratisme. Donc, voyez, 26 décembre, 4 février, la CGT, elle voit que c'est elle qui a un problème et elle en déduit une envie de se débarrasser d'un certain nombre de choses pour répondre à l'attente des salariés.
Le 4 février, le rapport du Bureau confédéral à la CE confédérale fait de ce conflit une véritable leçon de choses. Il en déduit la nécessité de déployer une forte activité revendicative à l'entreprise qui permette aussi de faire émerger des convergences de lutte. En remontant un peu dans le temps, j'ai retrouvé une intervention en 1984 de Bernard Desormières, qui à l'époque était secrétaire général de la Fédération Santé et Action Sociale, et qui analysait une lutte des infirmières du moment pour, je cite, « la revalorisation de la profession ». Et Bernard Desormières dit « il a fallu convenir de notre retard, qu'on était à côté de l'action ». Il estime que c'est la nature des revendications qui pose problème. La CGT parle en termes de pouvoir d'achat, les infirmières en termes de revalorisation de la profession. Il ajoute, la CGT a alors pris l'initiative de l'unité avec les syndicats et les associations professionnelles. Et il ajoute encore, nouveau, cela l'est à l'évidence. Il faut prendre en compte les exigences de la lutte, même si, dit-il, cela ne fait pas très puriste en termes de syndicalisme de classe. C'était en 1984, 4 ans plus tard, une coordination infirmière animera une lutte longue, historique, de ces femmes qui revendiquent de sortir de l'espèce de sacerdoce auquel elles se sentent assignées et d'être reconnues comme de vraies professionnelles. Exigence toujours en cours, aujourd'hui, mais je ne résiste pas au plaisir de rappeler le mot d'ordre féministe de la lutte de 88, ni bonne, ni non, ni conne. Ainsi, pendant quelques années, les coordinations et comités de lutte vont essaimer essentiellement dans le secteur public. A syndical, non syndical ou anti-syndical, les coordinations sont à chaque fois le révélateur d'un terrain laissé en jachère par les organisations syndicales. En tout cas, c'est ainsi que la CGT fait le choix de les interpréter. Elle en déduit les lignes forces de transformation de son propre syndicalisme qu'elle doit opérer sur la façon d'élaborer les revendications, sur les formes de lutte, les pratiques démocratiques et l'unité d'action. Troisième sous-partie, l'offensive de recomposition syndicale. Donc il faut déjà que je l'explique. En même temps que la forte campagne sur la crise du syndicalisme s'engage une opération dite de recomposition syndicale visant à constituer, les mots ne sont pas de moi, une grande force social-démocrate en France. Je rappelle les faits. Dès 1979, la CFDT, qui a rompu l'unité d'action avec la CGT, envisage une démarche à plusieurs vitesses concernant les autres centrales syndicales. Pour Edmond Maire, il faut qu'entre les principales organisations réformistes s'atténuent peu à peu des clivages venus de notre temps. En 1983, un petit courant trotskiste, Front Unique Ouvrier, quitte la FEL pour rejoindre FO. Le consensus interconfédéral sur l'autonomie de la FEL est menacé. À partir de 1984 et surtout de 1986, la FEL, la Fédération d'éducation nationale, qui à l'époque a le monopole de syndicalisation dans l'éducation nationale, effectue une évolution comparable à celle de la CFDT. Elle envisage un regroupement des forces syndicales réformistes en 3 temps, une réforme des structures internes pour annihiler le courant Unité Action en instituant un syndicat unique de la maternelle à la terminale. Deuxième étage, la réunion dans un seul syndicat des syndicats autonomes d'inspiration socialiste. Et troisième étage, la fusion de la FEL, de la CFDT et de FO. Au printemps 1986, Jean Le Garec, ministre socialiste de la fonction publique, indique dans une interview au Nouvel Observateur que le Parti socialiste a besoin de relais syndicaux et que le Parti socialiste encourage le rapprochement CFDT-FEL avec cet objectif. De son côté, Edmond Maire dit refuser la social-démocratie qui rêve, je cite, « toujours de se servir des syndicats comme un moyen de pression populaire ». La recomposition social-démocrate du syndicalisme a du plomb dans l'aile. En 1988, le conflit des camions jaunes des PTT, c'est les conducteurs, c'est les chauffeurs postiers, hein, les chauffeurs des camions jaunes, je ne sais pas comment dire, hein, est le prétexte pris par la CFDT-PTT pour exclure ces syndicats de la région parisienne. Ceux-ci créent les premiers syndicats sud qui vont bientôt faire quelques petits.
Les premiers syndicats sud rejoignent le groupe des 10 et contribuent à donner à cette organisation de syndicats autonomes une attitude plus contestataire. Du coup, des syndicats autonomes de sensibilité plutôt socialiste quittent le groupe des 10 et ils participeront à l'action, à la création de l'UNSA en 1993. En 1989, Marc Blondel succède à André Bergeron au secrétariat général de FO. Il est élu justement dans l'objectif de préserver l'autonomie de FO et de concurrencer la CGT, voire de la supplanter. La restructuration interne de la FEN fait l'objet d'une vive opposition, y compris dans la tendance majoritaire. Le SNES et le SNEP sont exclus le 6 octobre 1992. Le congrès de la FEN de décembre 1992 adopte de nouveaux statuts. Les syndicats exclus créent la FSU. L'entreprise Recomposition syndicale se solde donc par un lourd échec au regard de l'objectif visé, créer un grand syndicat social-démocrate. Il n'y aura pas de syndicat ouvertement social-démocrate en France. Par contre, l'émiettement syndical français est encore accru. En 1980, il y avait 5 confédérations plus la FEN. En 1993, il y a 5 et bientôt 6 confédérations syndicales, plus la FSU, les Sud Solidaires, le groupe des 10. Plus l'offre syndicale s'élargit, moins les salariés se syndiquent. La division, l'émiettement syndical, joue plus un effet de repoussoir qu'engagement. Donc maintenant, la CGT est en composition syndicale. Dans un premier temps, la CGT voit cette tentative comme un moyen de lui disputer le terrain et de lui ravir la première place dans le syndicalisme. Je pense qu'elle avait raison. Un certain nombre d'alliances réalisées dès 82 entre CFDT, CGC et FO pour prendre la direction d'un certain nombre de comités d'entreprise à la place de la CGT la confirment dans ce sens. Elle sent que c'est sur le terrain de ses difficultés à réaliser l'unité qu'elle est friable. Puis, en 1988, elle estime que la recomposition syndicale vise à modifier le rôle du syndicalisme. Il n'aurait plus pour tâche de défendre les revendications, mais plutôt de devenir un instrument de régulation sociale. C'est désormais sur ce terrain du rôle du syndicalisme que la CGT va travailler pour faire échouer les tentatives de recomposition syndicale et de marginalisation de la CGT. Elle estime désormais qu'il lui faut donner un contenu au type de syndicalisme qu'elle veut promouvoir. S'amorce alors une réflexion qui la conduira à revisiter tous les aspects essentiels du syndicalisme qu'elle incarne, de la défense des revendications à la démocratie, d'un rapport plus étroit aux salariés dans leur diversité à une nouvelle approche de l'unité d'action et des relations entre les organisations syndicales. Il y faudra plusieurs années que la démarche commence là. Quatrième et dernière partie, je sens que vous êtes en attente, la CGT se renouvelle pour rester elle-même. Depuis des années, la CGT définit sa stratégie à partir de deux piliers qui lui semblent solides et assurés. L'union de la gauche d'un côté, l'unité d'action avec la CFDT de l'autre. Or, la première est rompue en 1977, la seconde en 1978. C'est donc une révision assez complète de sa place et de son rôle sur l'échiquier politique et social que la CGT doit entreprendre. Cela la conduira, quelquefois à marche forcée, mais la conduira malgré tout à un renouvellement profond, même s'il est progressif, des principaux axes qui définissent son type de syndicalisme. Je vais en prendre trois aspects, l'unité d'action, la démarche revendicative et la démocratie. D'autres pourraient être mis en exergue, tels que les engagements internationaux ou le positionnement vis-à-vis de l'Europe, mais cela alourdirait une conférence qui est déjà trop longue, donc j'en reste. L'unité d'action. Historiquement, la CGT est attachée à l'unification syndicale. Elle ne s'est jamais résolue à la scission syndicale. Rassembler tous les travailleurs de toute sensibilité dans une seule et même organisation est la ligne de mire de sa stratégie syndicale. L'unité d'action est vue comme un moyen d'y parvenir à terme, ce que nous reprochent les autres syndicats d'ailleurs. Après l'accord d'unité d'action de 1966 avec la CFDT, et surtout dans les périodes d'union de la gauche, cet objectif d'unification syndicale apparaît presque accessible, au moins avec la CFDT et peut-être à terme avec la FEN. C'est cette vision qui s'effondre avec le recentrage de la CFDT. Le 11 janvier 1978, Edmond Maire présente à la CGT le sens et le fond du recentrage et la décision de la CFDT de mettre un terme à l'unité d'action telle qu'elle se pratique entre les deux organisations depuis au moins 12 ans. Le coup est tellement rude pour la CGT
que sa direction ne rendra pleinement compte à la section fédérale de cette réunion que 18 mois plus tard. 18 mois. Dans un premier temps, la CGT explique le recentrage par la persistance à l'intérieur de la CFDT d'une ligne réformiste originale, entre guillemets, en but à une ligne de classe qui gagnerait du terrain. Elle fait donc le choix de tenter de conforter la ligne de classe à l'intérieur de la CFDT. Le 40e congrès en novembre de la même année définit l'ambition, cette centrale unitaire, au contenu de classe précis, sera fondée sur les principes d'indépendance et de démocratie d'un véritable syndicalisme de masse. Le 40e congrès propose donc, dans des conditions sur lesquelles je ne reviens pas, un comité national d'unité d'action pour créer les conditions de cette unité syndicale. La suite est connue, aucune autre organisation ne répondra favorablement. En septembre 1979, encore, un texte d'analyse par le bureau confédéral du congrès confédéral de la CFDT de mai 1979 affirme qu'il ne faut rien changer à la stratégie unitaire avec la CFDT, car rien n'est irréversible. À partir du CCN de janvier 80, une inflexion se dessine. La CGT commence à craindre pour sa propre identité. En effet, dans les entreprises, le pli est pris de n'envisager l'action qu'à condition qu'elle soit commune, CGT-CFDT. Cela conduit à une perte d'indépendance de la CGT dans sa capacité revendicative et au risque qu'elle soit elle-même entraînée dans un comportement de fait, d'acceptation de la crise ou de non-combat pour en sortir. Le CCN considère donc, je cite, que le danger principal serait de ne pas faire suffisamment la clarté contre le recentrage de la CFDT. Ce raidissement apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui mènent campagne, pas toujours bien intentionnés, pour faire porter à la CGT la responsabilité principale de la désunion. Or, comme le remarquent Hamon et Rothman dans leur livre sur la deuxième gauche paru quelques années plus tard, je cite, « le divorce était contenu dans le recentrage ». Fin de citation. Dans le CCN, mais aussi dans les organisations de la CGT, les débats seront aussi nombreux et durables que les pratiques seront différenciées. La CGT éprouvera le besoin de clarifier ses positionnements à plusieurs reprises au travers de textes fondamentaux ou de résolutions du CCN et de la CEC. Au fil du temps, la CFDT poursuit et affirme sa ligne. La CGT ne cherche plus à la lui faire abandonner. Elle définit sa stratégie en prenant acte de celui-ci et en s'y opposant. Ce faisant, la CGT en vient à mieux définir, ou tout au moins actualiser, les traits caractéristiques de son propre syndicalisme. Le terme d'indépendance de la CGT est souvent mis en avant dans la définition de son rapport à la CFDT. On y sent que la crainte que la CGT d'être entraîné à son corps défendant dans des positionnements contraires à ses valeurs fondamentales. Mais il est aussi intéressant de remarquer qu'elle emploie le même mot pour qualifier son rapport aux politiques ou bien sûr au patronat. C'est donc en fait d'identité propre qu'il est question et c'est en ces termes que la suite s'écrira. Quant à la stratégie d'unité d'action, elle se précise progressivement. Le 42e congrès insiste pour que la CGT prenne seule ses responsabilités lorsque les circonstances l'exigent. Il privilégie l'unité des salariés dans un rapport qu'il souhaite direct entre eux et la CGT. Ce n'est qu'en troisième point que vient l'idée sans renoncer à l'unité d'action. Le 43e congrès en 89 se félicite que la stratégie choisie aux deux congrès précédents ait permis de se sortir, je cite, de la recherche systématique et préalable d'accord de sommet comme condition d'unité d'action. Il voit l'unité des salariés comme la condition préalable, là aussi à l'unité d'action entre syndicats, et il avance l'idée que la clé pour parvenir à des mobilisations unitaires réside dans la capacité de la CGT à définir les revendications et les modalités d'action avec les salariés, afin que par leur pression, il devienne difficile à toutes les autres organisations syndicales de rester en dehors de la lutte. Ainsi, dans son rapport au Congrès, Henri Krasucki affirme « Nous sommes, pour l'entente et le rapprochement entre syndicats, la manière de conduire les luttes que nous préconisons en ouvre la possibilité. » Enfin, le 44e Congrès en 1992 précise la démarche. Il s'agit, je cite, de n'escamoter ni les différences ni les divergences entre organisations. On ne dit pas ni les points communs, hein, ça vous figure bien. On remarque, l'objectif affirmé est clairement de permettre, je cite,
le rassemblement sur ce qui est l'élément unificateur essentiel, la revendication, élaborée démocratiquement en faisant des salariés les acteurs décisifs. Le document d'orientation incite même les militants à poser devant les salariés la question de l'unité syndicale, c'est-à-dire l'unification, hein, ce n'est pas seulement l'unification. Et le document poursuit, nous affirmons notre certitude qu'un syndicat regroupant tous les salariés et faisant de la démocratie le fondement de ses règles de vie n'est pas seulement nécessaire, il est possible et apporterait une efficacité considérable au mouvement social. Donc, deux questions majeures apparaissent comme clés. La revendication d'une part, la démocratie d'autre part, c'est pour ça que je vais parler maintenant, je vous rassure, j'ai bientôt fini. La revendication. Quoi de plus naturel pour un syndicat que de s'interroger sur la nature et la cohérence de ses revendications, du sens à leur donner et de la manière de les élaborer et de les faire aboutir. Chaque congrès est l'occasion de procéder à cet examen et d'actualiser ce qui doit l'être en fonction des évolutions des situations d'une part, de la démarche d'autre part. Le 40e congrès définit la nature du programme d'action proposé au vote, comme un tout où se retrouvent les problèmes généraux et les problèmes particuliers. Il tient compte des spécificités des intérêts catégoriels comme des préoccupations communes à tous les salariés. Il est très détaillé. Au 41e congrès, le programme d'action est défini comme la direction dans laquelle il faut aller pour réussir et pour ouvrir une issue à la crise, et aussi comme une référence pour apprécier le contenu, l'étendue et l'efficacité des réformes, de l'action du gouvernement et de la majorité en toutes circonstances. Au 42e congrès, il est vu comme la présentation des revendications à mettre en débat avec les salariés. Au 43e congrès, enfin, le programme d'action est remplacé par un projet d'objectif revendicatif et de lutte. Le rapporteur y voit un double enjeu, nourrir des luttes quotidiennes pour des revendications de haut niveau d'une part, favoriser le développement d'un mouvement social puissant et transformateur d'autre part. Par la suite, les objectifs deviendront des repères revendicatifs, c'est encore le cas aujourd'hui, régulièrement actualisés par le système. Ce changement réalisé sur un peu plus de 10 ans indique en fait des évolutions profondes dans la façon dont la CGT envisage l'élaboration des revendications, leur rôle et leur place dans la définition de son syndicalisme. Elle sort peu à peu de la démarche qu'on a appelée programmatique pour inventer une démarche où la question de l'élaboration démocratique des revendications avec les salariés dans toute leur diversité devient première. L'expérience des luttes de toute la période a beaucoup contribué à ces évolutions. Avant 1975, d'après le ministère du Travail, les premiers motifs de conflit dans les entreprises sont les salaires et les conditions de travail. Sur les 10 années dont nous parlons, c'est l'emploi, ou plus exactement, le refus des suppressions d'emplois. Cette réalité qui domine toutes les autres masque que l'éclatement du salariat qui commence induit des situations très diverses. La CGT s'engage dans un grand débat sur les identités professionnelles, dans lequel l'UGICT joue un rôle d'aiguillon important. On s'aperçoit qu'aucune salariée ne peut se reconnaître dans une seule case, telle que définie dans les documents CGT. Les femmes, par exemple, jusque-là vues comme une catégorie homogène, pour lesquelles la CGT doit déployer une activité dite spécifique, sont devenues la moitié du salariat. Elles ont à la fois un vécu commun à toutes les femmes, lié à l'expérience de la domination, et en même temps des situations et aspirations très diversifiées selon leur génération, leur place dans la hiérarchie salariale et leur secteur professionnel. Ce n'est qu'à partir du 44e congrès, donc au-delà de la période abordée ici, que la CGT admet ces réalités et se décide encore très timidement à envisager que c'est le cœur de son activité qui doit se transformer pour que femmes et hommes de toutes catégories puissent s'y retrouver. À partir du 42e congrès, la prise en compte des diversités, toutes les diversités, devient le fil conducteur de la façon dont la CGT envisage son rapport aux salariés et la construction de ses propositions revendicatives et du rassemblement. La revendication devient alors le vecteur par lequel on passe du « je » au « nous », par lequel on peut favoriser l'engagement individuel vers l'action collective, par lequel aussi on peut modifier la situation sociale. Les cahiers revendicatifs ont été relancés avec plus ou moins de succès au début de la décennie. Censés favoriser un retour syndical au plus près des réalités concrètes du travail,
Il souffre de ne pas avoir donné lieu à suffisamment de débats sur la nature de la stratégie qu'il sous-tend. Résultat, ils sont peu ou peu, pas ou mal utilisés. Certains y voient une tentative pour en rabattre sur le programme CGT et sa portée transformatrice. D'autres s'en servent comme s'il s'agissait d'un institut de sondage sans que les propositions de la CGT soient portées à la connaissance des salariés. Or, plusieurs initiatives confédérales, dès 1985, remettent les cahiers revendicatifs au centre d'une démarche démocratique visant à porter réellement ce que veulent les salariés. En 1988, à leur propos, Louis Vianney parle d'une conception un peu nouvelle de notre activité qui consiste à aller vers les salariés pour décider avec eux. Il défend l'idée d'une activité revendicative agressive dans laquelle le cahier revendicatif n'est pas un simple récollement des revendications, mais un point de passage de l'échange entre ce que la CGT a à dire et ce que les salariés ont à exprimer, ou l'inverse. Pour qui ne connaît pas la CGT, cela pourrait paraître un détail. Dans les faits, c'est l'amorce d'un changement de centre de gravité dans son rapport aux salariés. Il n'est plus question d'arriver avec des idées toutes faites qu'on doit faire passer ou auxquelles on doit gagner les salariés. Il s'agit d'avoir les idées suffisamment claires pour être en capacité de débattre et d'élaborer avec celles et ceux qui nous entourent à partir de ce qu'elles et ils ressentent, même si ce n'est pas exactement ce qui était imaginé au départ. On passe ainsi de la propagande à la communication, et ce n'est pas un détail. Au 43e congrès, la CGT présente sa nouvelle démarche revendicative comme le ciment du rassemblement et de l'unité des salariés, fondée sur les besoins, élaborée démocratiquement avec les syndicats et les salariés. Elle doit permettre un processus de lutte enraciné sur le lieu du travail. Et donc la démocratie, tous les conflits des années 86 à 90 comportent une exigence démocratique forte, qu'ils soient animés par des coordinations, des comités de lutte divers et variés, par des intersyndicales, ils portent des enjeux communs sur la transparence des décisions, un rapport plus direct entre représentés et représentants, la volonté d'être partie prenante du contenu des revendications comme des modalités d'action tout au long du conflit, y compris lorsqu'il se termine. La CGT prend cette question de la démocratie à bras le corps et tente tout ce qui est possible pour en être le moteur. La pratique de la consultation des salariés a déjà permis des avancées. Dans le climat d'exigence de négociation en direct, porté par diverses forces en France, en soutien au syndicat Solidarnos, la CGT avance la revendication que les négociations, en France aussi, puissent se dérouler en direct. En 1983, avant de prendre une décision de signature ou de non-signature de l'accord salarial de la fonction publique, dont le ministre était communiste, était Anicel Porte, les fédérations CGT de la fonction publique testent cette pratique dans quelques services où elles étaient bien implantées. En 1984, la CGT met au point une technique avec les moyens de l'époque pour la négociation sur le premier accord flexibilité. La mobilisation qui en est résultée aura beaucoup compté pour qu'au final, aucun syndicat ne puisse signer l'accord voulu par le patronat et la CFDT. En 1989, la CGT-PTT obtient l'utilisation du réseau interne de télécommunications pour combattre le démantèlement des PTT. 20 000 salariés sur tout le territoire pourront ainsi participer au débat en direct et le transformer en mobilisation de masse. Il ne s'agit là que de quelques exemples. Dans les faits, toute la CGT déploie des expérimentations très novatrices. La question démocratique devient ainsi un enjeu majeur pour la CGT. Il n'est pas question de la limiter à la participation aux élections, qui baisse fortement dans les élections professionnelles, même si c'est important. Il faut viser une démocratie active qui implique le maximum de gens à toutes les étapes du processus. C'est là qu'on commence à parler du syndicat acteur et décideur et à envisager la possibilité de changement dans le centre de gravité des fonctionnements internes et dans les rapports direction syndicale-syndiqué sur lesquels nous sommes toujours. À partir de 1992, les idées et les pratiques sur la culture du débat prendront appui sur ces avancées d'abord en interne, puis plus largement. Elles permettront entre autres que la CGT puisse s'ouvrir à d'autres composantes du mouvement social, syndical et associatif, et entrer dans la phase de déploiement, telle que l'a qualifiée Sophie Bérou, citation que je vous rappelais au début. J'arrive donc au terme de cette intervention bien trop longue. J'espère vous avoir montré le travail considérable de réflexion, d'adaptation et de renouvellement dans des conditions extrêmement difficiles qu'a fait la CGT.
Bien des pratiques et des idées sur lesquelles la CGT se bat aujourd'hui ont germé dans cette décennie terrible. Elle a revu sa façon d'envisager le changement de société. Elle a commencé à redéfinir l'identité du syndicalisme qu'elle représente. Ce sera déterminant pour quelques années plus tard affirmer le contenu de son indépendance syndicale. Elle a mis en avant des axes pour réussir à changer tout en restant elle-même, selon la formule consacrée, le guépard, etc., vous connaissez, dans une période où elle affrontait deux dangers concomitants, le risque de marginalisation, voire de disparition d'une part, le risque de dénaturation de sa spécificité d'organisation de lutte de classe d'autre part. Elle a beaucoup travaillé sur les évolutions du salariat et vu que les diversités croissantes de conditions de travail et de vie impliquaient une activité syndicale elle-même diversifiée qui devait transformer de l'intérieur ses manières de fonctionner et d'agir. Voir ne suffit pas à réaliser, mais c'est un début. Confrontée à une fragilisation de tous les repères qu'elle incarnait et sur lesquels elle se construisait, elle a imaginé un autre rapport aux salariés, moins vertical, plus direct, plus horizontal, plus modeste aussi, au moins dans les intentions, car pour ce qui est de la mise en œuvre réelle, cela est resté et reste évidemment difficile. Elle a posé le sujet de la démocratie interne comme une question majeure, sans toutefois parvenir à la faire concrètement évoluer, au moins dans cette période. Elle a donc posé les sous-bassements pour ce qui va intervenir ensuite. Voilà. Pour conclure tout à fait, je voudrais vous livrer une citation de Robert Castel dans son livre « Métamorphose de la question sociale ». Il explique avoir préféré le mot de métamorphose à celui de crise parce que, dit-il, même fondamentaux, les bouleversements ne représentent pas des innovations absolues si s'inscrivent dans le cadre d'une même problématisation. Et il ajoute « Demain comportera de l'inconnu, mais il sera aussi travaillé à partir de l'héritage d'aujourd'hui. » À méditer.